Bonne fête de Pâques. Avec nos frères et sœurs protestants, nous fêtons Pâques ce dimanche 17 avril. Joie de la résurrection de Jésus. Et par le baptême, joie d'unir à la résurrection de Jésus de nouvelles personnes, de nombreux adultes, enfants ou personnes plus âgées. Depuis le baptistère de notre cathédrale, je suis heureux de vous rejoindre. Baptisés, vous êtes tous des baptisés de Pâques. Votre vie a été unie à Jésus ressuscité, même si elle porte encore quelques traces du mal, du mensonge, de la haine. Baptisés, soyez l'espérance en ce temps assombri par la guerre. Soyez la consolation pour vos proches éprouvés, peut-être vous-même. Soyez la joie de ceux qui croient que l'amour est vainqueur du mal, du mensonge, de la haine. Dimanche prochain, nos frères et sœurs orthodoxes fêteront Pâques. Nous pensons à l'Ukraine, nous pensons à la Russie. Que la lumière de la paix brille sur eux. Cette semaine, nos frères et sœurs juifs, nos frères aînés dans la foi, célèbrent la Pâque de la Première Alliance. Nous pensons à Israël, à la Palestine, au Liban, au Moyen-Orient. Que la lumière de la paix brille sur eux. Allumez pour vous, pour tous, pour Dieu, la lumière de l'espérance qui, à Pâques, jaillit dans la nuit. Allumez la lumière de l'espérance, c'est un sourire, un courrier envoyé, une visite, un bulletin de vote, un travail bien fait, une difficulté surmontée, des fleurs offertes, une prière. Tout ce que vous ferez par amour allumera la lumière de l'espérance. Bonne fête de Pâques à vous et à vos proches. Allumez pour vous, pour tous et pour Dieu la lumière de l'espérance.